Bonjour. Je suis aujourd'hui sur les bords de la Sorgue. Alors, la Sorgue, pour vous situer un petit peu, on est sur les quatre rivières les plus dures de France. Luminosité, clarté, pression de pêche. Donc, c'est des rivières difficiles. Et j'ai mis une technique au point qui s'appelle le toc à la nymphe. Contrairement à ce que certains esprits chagrins peuvent raconter, ce n'est pas une technique vieillotte remise au jour, mais une technique novatrice et moderne. Et je me propose de vous le démontrer aujourd'hui. Alors, pour mettre cette technique en place, on va se servir d'une canne anglaise dite à pas naturel, en l'occurrence là à l'extrême de chez Garbolino, l'Action Light. Une action douce, pourquoi? Pour pouvoir pêcher très ferme bas de ligne et lancer des micro plombées. Donc, le montage, nous allons y passer de suite. Ça va commencer par ce que j'appelle un stop float. Alors, la différence entre un stop float et un flotteur, c'est qu'un flotteur a une antenne et une quille, donc sous l'effet du vent et du courant, ça bouge. Tandis qu'un stop float, de par sa forme très ronde, aura toujours une excellente tenue sur l'eau et moins de contraintes par rapport au vent ou au courant. Je vais raccorder ce stop float à ma ligne. En dessous, je vais mettre un micro émerillon. Je vais faire un bas de ligne d'une cinquantaine de centimètres en fluorocarbone, 12 ou 10 centièmes suivant la saison, sur lequel je vais raccorder deux nymphes. Une nymphe légère en potence et une nymphe plus lourde en bas. L'idée générale étant de véhiculer ce montage au fil de l'eau, le plus naturellement possible, de manière à ce qu'on puisse aller chercher des poissons loin, beaucoup plus loin qu'avec une canne à mouche, et avec une présentation sans dragage. Je vous invite à me suivre pour vous faire une toute petite démo, qui j'espère sera concluante. Pareil, qui est en Eric Dollard, au bord, pour une nymphe très très dépouillée avec une tête qui tire sur l'orange. Méditerranéenne, toute zébrée, et elle va se décrocher toute seule dès qu'elle va bouger, vous allez voir. Voilà. Abîmer le poisson, pêche propre et moderne. Voilà, poisson. Voilà. Vous voyez, il faut une pêche. Tout le secret là, c'est l'art de la dérive. Vous voyez, je fais des coulées beaucoup plus longues qu'avec une canne à mouche. La nymphe est piquée vraiment dans la gueule du poisson. Le déclencher, je touche le poisson, je touche uniquement la nymphe. Vous voyez, si je veux, alors je vais vous la présenter quand même, à une jolie petite truite de la Sorgue. Vous voyez, un modèle très très dépouillé. Allez, va grandir. Donc, premier poisson. Bon, c'est sûr, c'est pas une baleine, mais là on est sur des conditions quand même assez compliquées. Hein. On est en début d'après-midi, pleine lune, des baigneurs partout, un grand soleil, très chaud. Donc,
tard vous démontrer qu'on a fait ces conditions super compliquées. On peut arriver à faire du poisson. Vous voyez, je suis allé chercher loin celui-là. Hein. Si on veut bien pratiquer cette pêche, contrairement là aussi à ce que certains disent, c'est extrêmement moderne parce que c'est un mélange savant de pêche à la truite et de pêche à la longue coulée à la bolognaise. Il faut vraiment savoir tenir une ligne dans le courant, la guider sans l'entraver. Et tout ça, ben écoutez, ça s'apprend. Hein. D'où l'intérêt des stages. Le problème, c'est pas si parti cette année. Ça sert d'aller derrière. Alors, s'il n'y a pas le vent sur la prochaine, le vent sur le milieu. Voilà. Poisson. Ah, c'est encore une pince, hein, mais bon. Beau piquet. C'est le milieu. Là, nymphe de potence. Bon, vous voyez, avec mon ami Mathieu, j'ai essayé de vous faire une toute petite démonstration du nymphe concept. Conditions horribles, il y a du mistral en plus finir, plein de lune, des baigneurs partout, une grosseur de pêche, 5 poissons. Ma foi, pour une technique désuète, moi je trouve qu'elle est très moderne, que des poissons bien pris là où il fallait. Il a simplement fallu adapter, passer des nymphes un tout petit peu, on va dire, lestées, à des nymphes très dépouillées, très légères pour faire vivre au fil de l'eau. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à me contacter sur mon téléphone portable ou sur mon adresse email, afin que je vous en dise plus sur le nymphe concept. A très bientôt.